De vous faire foutre. Bah, t'as quoi comme pibi?
Quoi qu'il y en a, j'ai des cookies. Donc, Si, il y aura que toi. J'en perds qu'un seul. Comme ça, je serai sûr. Mais si accidentellement il est mélangé aux cookies que j'ai fait moi-même, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, ce sera la roulette russe. Bon, je vois tous à la roulette russe. Celui qui meurt a perdu. Je joue pas. Bah ouais, en même temps. Malheureusement. C'est compliqué quoi. Bon, je fais des cookies à différents goûts et c'est la roulette russe du goût du cookie quoi en fait. Alors des fois tu tombes sur chocolat c'est bien ou tu tombes sur poubelle c'est pas bien quoi. Ah c'était cru dans Harry Potter. Ouais. Des fois c'est goût crotte de nez. C'est ça. Oh t'aimes les références toi. Et c'est bien parce que j'avais pas pensé aux crottes de nez, merci Tifa. C'est parfait alors. Je te regarde deux trois fois de côté des cookies aux crottes de nez. Ce sera pour Zigoui. Non, bah non. Bâtard. Putain, mais quel connard. Tu joues la manette au clavier sur Netronic Rush, Mille. Non, c'est pas. Il a dit manette. Manette. Oui. Si t'écoutais un peu. Bah, j'y ouais, pas, c'est ça, ouais, arrête de me couper moi, là. Moi j'entends pas quand il crie. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah non. Bon, bah attends, je te mute. Il faut. Ah ouais, moi je joue manette aussi. Alors, si tu veux jouer à la vraie roulette russe d'être fraude, vas-y. Mais moi je participe pas, je joue pas. Hein. Allez, juste une fois. Allez. Une chance sur 6. Elle est pas belle. Juste une partie. Non mais le pire c'est si tu joues à 6 à la roulette russe et que les 5 premiers ils ont survécu quoi. Donc là... Ah. Là tu te dis merde. Non, en fait c'est le premier mec qui a oublié de charger le flingue. Ouais. Le premier a 5 tirs à gagner. Est-ce que vous avez vu 13? Hein? Est-ce que vous avez vu 13? Non. 13. C'est un film avec Jason Statham où il y a un film, enfin où c'est des mecs qui jouent à la roulette russe. C'est toi donc je l'ai pas vu parce que j'aime bien Jason Statham. Bah. J'aime bien. Un jeu. Non, ouais. Du matin. Juste du stream du matin tout à l'heure. Oui. Ouais, ouais, mais il faut pas le dire sinon c'est plus une surprise. C'est quoi le film avec Jason Statham? C'est une réunion de famille en fait. Eh, salut Chamotte. Eh, salut. Et tu disais quoi? Je sais pas, j'ai entendu vous parler d'un film avec Jason Statham. Oui, ça joue 13. Non. Personne ne joue à FF15 ici. 100% des gens ne jouent pas à FF15. C'est un peu triste quand même. Bah, non. Si, c'est triste. C'est pas grave, le monde y joue à autre chose. C'est beau un monde qui joue. À autre chose que FF15. Bah non, mais à ce que les gens y veulent jouer. Bah. Wow. Pour l'instant, j'ai envie de jouer à aller insulter des gens. Louia. Et ça marche. Ouais. C'est un bon jeu. Tu veux insulter qui? Je sais pas, je vais aller sur Facebook et le premier connard qui va parler de m'insulter. On peut jouer à deux. Il y a un multi-local. Allez, ouais. Il y a des multi en ligne aussi. Ah, FF15, pas de en fait, spoil. En fait, il suffit d'aller sur Discord. Premier mec qui parle dans discussion speedrun, on lui insulte, ça va. Allez, on fait ça. Et faut faire ça en boucle, en gros, faut se renvoyer la balle à chaque fois. Déjà. Allez, c'est parti. C'est vraiment pas de race, les mecs. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit très la charte. Ouais. Mais la charte graphique. On s'en fout, c'est un autre jeu. La charte, c'est pour le jeu de l'UD. Bah là c'est pour le jeu de la fille de pute. Putain, je voulais mettre je voulais regarder Crost pour m'endormir hier. Et c'était pas une bonne idée parce que du coup j'ai regardé les 20 premiers. Ça m'a rendu que t'as enchaîné Chroma. Elle est Chroma. Bah non, parce que non. Bah non, parce que non.
Bah non, parce que non. Non, parce que je me suis endormi. Vous êtes fatigué. Je vais regarder le dernier chrono. FF15 te tente carrément pas. Bah écoute, je sais pas, j'ai entendu des divers avis et variés qui venaient de Chamout, qui disaient que c'était très bien. Et bah. Et il y avait d'autres personnes qui étaient genre des connaissances à Chamout qui disaient que bah il aimait pas. Bah, j'ai un pas qui... Ça rien pour tous les goûts. Hein. J'ai un pote, ça fait deux jours qui crie partout que c'est le pire FF de la Terre, mais je pense qu'il est juste un peu con et un peu bourré. Ah. Ça tombe bien, c'est un pote à toi. Bah oui, mais ouais. T'inquiète pas. Ouais, mais tu vois, moi tu m'as dit que ça ressemblait pas mal à FF12 et Gonzo il m'avait dit FF12 pour lui c'était le pire FF du monde. Non mais je comprends, sauf que pour mon pote en question, FF12 c'est un de ses préférés. Ouais. Cool. Mais non mais en fait je pense que c'est le problème de que pendant 10 ans, tu vois, 10 ans de ta vie c'est quand même beaucoup. Pendant 10 ans, il était à l'affût de la moindre news, il se tenait au courant de tout. Et du coup, je pense qu'il attendait beaucoup du jeu. Ouais. Ça m'a fait, c'est les mêmes effets pour le même Metroid, moi. Et du coup, c'est con, parce que... Enfin... Regardez, zéro trailer, zéro image de jeu. J'ai pas voulu regarder les vidéos de 30 minutes où ils expliquaient l'histoire de je sais pas quoi, Noctis et tout, machin. Je m'en battais les couilles, et au final, bah, le jeu, bah, je l'aime bien. Oui, il a des défauts, c'est sûr. Il y a des défauts qui seront sûrement corrigés avec des mises à jour, d'ailleurs. Je peux faire une raid. Mais, en dehors de ça, le jeu, il a énormément de qualités. Je trouve cool. Ouais. T'as pas aimé que c'est un jeu de merde, hein. Oui, non, mais c'est certain, mais le... Je sais pas, c'est... Il y a moins de facilité à utiliser l'argument de l'objectivité que sur FF10-2, par exemple. Ou là, FF10-2, je pourrais te dire, bon... Objectivement, le jeu est assez mauvais. Hein. Le jeu, il pue de la gueule, quand même. Il y a des trucs bien, Ouais, non, mais déjà... Il n'y a pas que ça. En fait, il déborde de mauvais goût, et ça, c'est... Déjà, c'est... Ouais, le fait que... C'est vrai que... La compétence scan et tout. Et bon, dire c'est sympa. Que c'est le pire FF de la Terre, ça veut dire que tu préfères jouer à FF 1, 2 en boucle plutôt que de faire FF15. Ok, je glitch. Voilà. Après, moi je préfère peut-être jouer aux versions remasterisées de FF 2 que. Je sais pas. Que à d'autres. Mais bon, enfin, de toute façon, je sais pas. Je pense que c'est le problème de comparer les FF les uns avec les autres. Enfin, c'est juste, c'est des jeux différents. Surtout complètement. Rien à voir. Certains. Tu vois, ok. Comparer les FF de Super NES, un avec les autres, parce que c'est plus ou moins les mêmes mécaniques. Tu peux comparer tous les FF 7, 8, 9. Ok. Ils ont des mécaniques différentes. Hein. Regarde, non, le alors, 7 c'est matériel, aussi... le 10 c'est un sphérier, le. Faut savoir aussi ce que tu veux. 12 c'est MMO. Après FF 7, 8, 9, si tu veux. Il y a quand même énormément de points de comparaison, ils utilisent pas mal de choses en commun. Putain 10, pour le 10, il me cassure. Du coup, on peut comparer le 10 et le 10-2, étant donné qu'il se passe allez, dans le même... Allez, merde. Mais moi, je pense que tu peux tout... Mais ça dépend, enfin... Alors, oui, pas, non, mais, le... non, mais, y a oui, pas de non, mais tu peux les comparer comme tu peux comparer Street Fighter avec Alexandra Lederman. LOL, si ouais. Tu veux. Oui, c'est... tu peux dire le style graphique de l'un, mais... Oui, par contre, dire genre 1 c'est le mieux, après c'est le 7. Je trouve ce que je veux dire, c'est en général l'argument des gens qui aiment pas FF13 ou 12 ou 15. Voilà, c'est pas un vrai. Bon, FF. J'ai 200 points, mais c'est de la merde. Sauf que c'est pas un vrai FF, ça veut rien dire. Bah, déjà, FF c'était. Oui, enfin, c'est une licence. Je sais pas, où ça part un peu dans à tous ce les sens. FF7 c'est pas un vrai FF du coup. Bah après tu peux ouais, dire ça du parle coup, mal. Un vrai FF1 mais... donc il faut que les persos ils aient pas de nom de base, il faut que le scénario il soit hyper léger et que tu saches pas ce qu'il faille faire et que ce soit un monde complètement ouvert. Toujours FF10 c'est pas un vrai FF vu que c'est hyper linéaire et que les persos ont pas d'histoire, FF7 c'est pareil. Donc bon. C'est débile quoi. Bah ouais, je sais pas. Là c'est... Enfin je sais pas. Final Fantasy c'est juste... C'est une licence, après ils ont fait plein de trucs dedans, ils ont fait des...
Ils ont fait des JRPG, ils ont fait des du tactical, ils ont fait du jeu de combat. Faut pas reprocher encore à Square Enix de tenter des trucs, hein. Je pense qu'on peut leur reprocher parce que. Enfin, de tenter des trucs pour tenter des trucs et que des fois ils tentent des trucs un peu. Ah non, c'est pour rendre les différences, sinon. Ouais, moi je trouve ça très intéressant. Exactement pareil. Au contraire, c'est des prises de risque et tout, je trouve ça très intéressant de la part de développeurs. Je trouve que la à tout prix. Bah, ça je sais pas, parce qu'entre FF13, 1, 2 et 3, honnêtement... c'est minime, par contre. Non, c'est pas minime. Enfin, le jeu, il est totalement différent à chaque fois. Non, mais il est différent, d'accord, ok. Mais le est pas le même. Le thème d'exploration est pas le même. Les personnages sont pas les mêmes. FF13 dirige Lightning quasiment tout du long. T'arrives dans 13-2, tu diriges pas Lightning du tout. T'as un changement d'univers, un changement même... Enfin, c'est pas du tout un truc linéaire, machin. On te balance sur... t'as plein d'époques pour plein d'endroits et machin. Tu les visites à peu près comme tu veux. C'est plein de petites zones au lieu d'avoir des très grandes zones linéaires. Le système de combat est pas du tout le même, le système de d'invocation est pas du tout le même. Enfin, ça reste un peu le même principe, le système de combat, mais ça fait sens parce que c'est la suite du jeu d'avant. Et Lightning Return pour le coup, enfin c'est pareil, le système de combat il est complètement changé. Enfin c'est la même de mécanique, c'est pas le même jeu. Chimera 25. Le souci avec Lise 2, c'est que beaucoup de choses sont déjà connues, genre il y a Riku, Spirag, et ce n'est plus trop une grosse découverte, selon Dead Fraud. Ouais, pour moi le problème c'est pas, c'est pas le problème de la non-découverte. C'est le problème que Luna, elle passe de la nana qui casse le monde et qui est trop classe et machin, à un chanteuse peu de pop tout, ouais. De merde. Puis chanteuse de pop, fait de la J-pop dégueu. Comment on nous introduit les trois personnages principaux par une cinématique avec de la J-pop, Parce que autant Riku, elle ressemble à... ça passe à peu près, mais ouais, ça... Yuna, elle était un peu timide quoi au début normalement. Non mais enfin, je sais pas, il y a énormément de choix que j'ai quoi. Enfin bref, FF15, on peut reprocher plein de trucs, mais dire c'est pas un vrai FF. Hein. C'est bon, l'argument que c'est pas un vrai FF, on nous le sort depuis FF11. Ça va quoi. Bah j'ai connu FF à partir du 13, moi je suis arrivé très très, très tard. Et moi j'ai trouvé FF13, bah comme je l'ai pris sans préjugé, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais détesté la première fois que je l'ai fait. Et quand je l'ai refait pour la sortie du 13-2, bah j'ai trouvé ça pas trop mal en fait. Ouais, moi j'ai fait qu'une fois, j'ai trouvé que c'était vraiment de la grosse merde. En fait, quand je l'ai refait, du coup j'ai lu toute l'histoire et machin qu'il y avait dans le. Par contre, j'ai trouvé ça vachement confus quoi, par contre, l'histoire. Et ouais, mais justement, en fait, en lisant, du coup tu comprends vachement plus. Avec les Lucy, Falsy, machin. Moi ça m'avait fait chier le bordel. Ouais. Bah je sais pas, genre c'est pas que des dieux machin et puis. Mais en fait oui c'est ça. Une fois que dans ta tête tu remplaces les mots Falsy par dieu, Elsie par ceux qui font des missions pour les dieux, Yes par ceux qui ont raté leur mission. C'est pas les meilleurs jeux. Non, c'est pas les jeux du siècle. C'est juste des jeux, quoi. C'est des jeux. Par contre, pour l'époque, graphiquement, c'était une tuerie. Non, mais là, ça, là, c'est FF, ça a toujours été une tuerie. Voilà. Mais vraiment ouf, quoi. Moi, j'ai été. Ouais, non, graphiquement, le jeu, y'a rien à dire. Ça, c'est clair que. Même encore aujourd'hui, tu joues FF13, c'est vraiment pas dégueulasse quoi. Ah putain, moi la première fois que j'ai lancé FF13, la cinématique de début, trop cool, vraiment... j'ai pris une elle m'a scotché. Putain, il m'a mis 2 hits gratos. Il m'a mis 2 hits, vas-y, prends un coup de reviens-y mon ami. Mais bon, je trouve que c'est un débat qui est quand même hyper stérile quoi. Ah bah clairement oui. Ah non, le meilleur. Ouais, parce que genre je vois FF13, j'ai trouvé nul parce que je trouvais hyper chiant qu'on puisse pas explorer tous les endroits comme on. Et quelqu'un qui s'en fout, bah il a pas de raison de trouver le jeu nul ici quoi.
Enfin, c'est hyper. Ça dépend vachement des personnes et de ce que t'attends du jeu. Bon, je reviens. Faut m'aller. Non mais vas-y. Non, va dans. Ah putain. Ah, je sais plus jouer à Jipendel. Mais quoi? Ok, c'est un PB. C'est encore sur Tortue Ninja? Non. Sur Zelda. Zelda. Ah, trop stylé. J'espère que j'aurai des PB à valider. Mais enfin, ça servir à quelque chose, Zigoui. Ouais, bah attends. Eh, j'ai validé un 23-26 maintenant. Il a pas refusé. Et après, j'ai validé un 20-25, mais en fait, il fallait pas. Oh, ça c'est un temps de Humpins. Ok, la noix c'est fini, allez. Dommage, j'ai perdu du temps sur la fin. Ouais, 24-47. Ah, top 25, les 190. GG. Merci Tifa pour les conseils. Ouais, putain, mais Tifa ils donnent des conseils et à nous ils nous en donnent même pas quoi. Bon, mec, tu les. En fait, c'est moi qui. Tifa, ce qui se passe sur la Terre, donc ça va de soi quoi. 24-47, ça fait 191 points, c'est cool. On en reste là. Avec 3 gold split. Sans Tifa. Salut et GG pour le PB. Oh, salut, merci. Revandal. Heureux. Bon, c'est bien. Heureux et Qu'est-ce que c'est? T'as zéro problème de conception, toi?
Non, mais comme non, j'étais mais en train d'ouvrir tout, je peux pas répondre. Non, je réponds. Quel... Le mec il mange des gâteaux à 15h52 quoi. Putain, là, c'est 4h après, hein. Après ça vient m'insulter parce que je vais manger à minuit quoi. Mais il est 4h, il est 4h. Pibi de 45 secondes. Non, c'est comme moi, ouais, 4h comme ça. Ouais, mais non, je peux pas. Mais le goûter du 4h c'est pas quand les gens ils se lèvent à genre tôt le matin. Mais trop pas, parce que tu te lèves le matin. Pas, moi il y a marqué 4h, pour moi tu c'est 4h, même s'il est 15h53, il est 4h. Tu te lèves, tu manges. Et ben arrivé à 4h, t'as faim. Moi ça me paraît normal. Spelunky. De quoi Spelunky? Bon bah, tant pis. Fais ce que tu veux, hein. Que je vois, et c'est con. Et on va pas oh mon dieu, je veux boire. Oui, bah, je suis la sœur de Tifa. Sinon, je vais y aller. Ouais, Shemout, il a même pas besoin d'un logiciel. Ouais. C'est ma vraie voix, en fait. Bon, faut choisir un jeu, là, maintenant. Chipendel. Chipendel, ah, putain. Non, Xenoblade Chronicle. Fais Xenoblade Chronicle. Quoi? Fais Xenoblade Chronicle, de voir, c'est bien. Non. Oh, je veux faire un jeu de l'UD ou Tortue Ninja, au choix. Mais non, mais c'est dépassé l'UD. Maintenant, faut que tu fasses Xenoblade Chronicle. Ta gueule. Et toi, en fait, toi, ta gueule, toi plus. Et toi plus, ouais. Et toi plus que toi plus. Ouais, toi. Bah, toi, l'infini plus 1, mon gars. Que d'abord, déjà. Ouais, hein, mais l'infini plein, c'est toujours l'infini. Bah, non, alors, parce ça qu'il fait y a plus que l'infini plus 1. C'est au-delà de l'infini. Mais non, c'est plus que l'infini. L'infini. Non, parce que c'est l'infini plus ce que tu veux, plus, ça fait l'infini. C'est... Une même infini plus infini, ça fait infini. Bah non, ça fait infini plus infini. Ça non, fait c'est... pas infini. Bah ouais, c'est vous infini. Qui êtes pas fini là-haut. Wow. Alors... Ouais, genre un... Oh là. Alors. À l'infini. Va donc chez ouais. Speedy. À l'infini. À l'infini, il est fini. Voilà. Plaf. Non, tu veux pas. Plaf. Maldito Castillo. Maldito Castillo. Eh, mais j'ai mal au pouce donc ça va être chiant avec celui-là par contre. Mais t'as pu. T'as pas joué au clavier? Non, parce que j'ai pas envie d'utiliser mes autres doigts. Je joue en réalité. En ré- ah, mais tu. Alors tu bouges la main comme dans Minority Report. Du coup, tu prends un de machine. Ouais, pour le machine, c'est un peu la même. Ouais, il fait des blagues. C'est pas bon. Bon, Tifa, je suis sûr que tu triches dans ton pibi sur. Sur Kororin, parce que moi je vais pas aussi vite que toi. Ouais, et du coup, mais je pense que ça se voit sur Iceland 3. Ouais. Non, où j'ai deux morts. Parce que tu triches bien. Ouais, mais t'as aussi une mort au tout début. L'océan 1, je crois. Ouais, voilà. Et j'en ai une mort sur Machine Land 2 aussi. T'arrives à faire des sub 17. Ouais. Et Tifa il fait ce qu'il veut, c'est un ouf. Ouais. Devil Chief. Mais pourquoi t'as... C'est ça d'être fraude. Oh merde. Tellement...
T'avais dit Chippendale, ça peut être intéressant. T'es mort sur Non. La chenille. Dire ça, t'es fou toi. Personne meurt sur Zaramplan. Mais oui, n'importe quoi. C'est pas ce que dit stream. Hein. Ah mais Vandal, quel salaud. C'est un vendu. Mais non. Ah vas-y. Petit prout. Ok. Ah ça c'est Moutas là. Ah pardon. J'ai piffé 2 damage boost et ils sont passés. 2 damage boost. Et j'ai réussi à passer à travers le sol. Mais quoi? Dans Chippendale, quand tu passes à travers le sol, c'est un peu les meilleurs moments du monde. Allez, j'ai réussi à le faire. Surtout au dernier niveau, tu passes en dessous du tapis roulant. Alors moi, quand je dis passer à travers le sol, je parle de niveau des jouets, là où ça fait pas perdre de temps. Quoi. Tu sautes dans les petits trous et vite, je... Qu'est-ce qui s'est... Combien? D'accord, ouais, parce qu'il y a eu un micro qui a saturé, et on a entendu ta voix, et ça a fait un genre. Genre un poulet qu'on étrangle. On aurait dit un décès. Ouais. Il y a le sweat chez toi t'étrangler, mec. Ouais, t'as un 16-16, sois content. Voilà. Je gagne le droit que ton pis soit valide. Ouais, bonjour, ouais. Mais bonjour. Ah, mais j'ai pris 2 dégâts dans le début des égouts. Bonjour, Zigouigoui. J'ai... Bonjour. Bonjour. Putain, il y a la tempête, là. Je jure. La tempête. Mon cher est décédé. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. La. Comment il slash ignore, mais c'est énorme ça. Il vient de faire. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Faire un 16. Il vient de faire 16-16 pour coup. Mais non, oui. Je rigole. Et toi, tu fous des vents toujours. Non. Ça vous vrai. Mais quel jeu de merde, c'est de la chiasse en fait. De quoi comme jeu de merde? Nitronic chiasse. Nitronic schlasse. Il faut de la nitro et du crunch, ça fait Nitronic crunch.